Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Sly 4. J'espère que vous allez bien. Oula, où vais-je déjà dès le début? Nous sommes dans une nouvelle zone, voilà, après une petite pause encore une fois, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé, mais dans un sens, vous savez très bien que je fais un peu ce que je veux, voilà, vous connaissez la... Oula! Oula, oula, mais que fais-tu? Oh là là, je... Très bien, j'aurais voulu récupérer cette bouteille, puisque maintenant elle sera affichée sur le radar, donc je voulais en profiter, mais bon, il a glissé, ce n'est rien. Bref, voilà, petite pause ounette. Comme d'hab, je fais ce que je peux, et je fais surtout ce que je veux. Vous avez l'habitude. Bref, voilà. Alors, du coup, Angleterre médiévale. Medieval England. Voilà. Please speak with very good accent and enjoy yourself. Voilà. Donc, il y avait un problème de robot dans le coin. Déjà, il faut qu'on aille là-bas. Mais j'ai quand même envie de récupérer quelques bouteilles sur la route, parce que maintenant qu'elles sont affichées, franchement, c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus simple, donc j'aimerais bien récupérer un petit peu. Je pensais avoir le temps de le zigouiller. Mais c'est pas grave, je l'ai eu quand même. Alors bien sûr, j'ai laissé plein de trésors derrière moi hein, dans les précédents mondes, en particulier dans le pays préhistorique, parce que je n'ai pas cherché beaucoup, à part ceux qui étaient sur la route. Mais surtout, j'ai bien compris quand même qu'il y en avait beaucoup qui étaient débloqués après qu'on ait tous les pouvoirs, tous les ancêtres et tout ce genre de choses. Parce que, enfin, quand je dis pouvoir, on se comprend. Les costumes, surtout, voilà. Parce que sans ça, tu ne peux pas activer certaines choses. Comme par exemple, cette magnifique porte, je sens qui, par exemple, voilà, elle ne s'active pas. Elle ne s'active pas. Où est ma zone? Là-bas. Oh, c'est juste là. Ok, tant pis pour les bouteilles. Profites-en. Lance ta mission. D'abord, Sly, il va te falloir une tenue plus appropriée pour infiltrer le cirque. Mais pour t'en créer une, il va me falloir de bonnes matières premières. Tu vas donc devoir trouver du bois, du cuir et du métal. Bien sûr. Tu veux que je te ramène autre chose tant que j'y suis? Des œufs, du lait, de la cire pour ta carapace. Allez, mets-toi au boulot, Sly. Sympa. L'ennemi est toujours là? Non, il a disparu, c'est bon. Parce qu'il y en a bien qui patrouillait. Voilà. Donc on récupère du bois qui se trouve là-bas. Quoi? Espionne les gardes? Mais c'est pas ce qu'il a dit du tout! Non mais si le jeu me fait pas faire ce que le Bentley me dit, moi j'écoute mon Bentley. Hein. C'est comme ça, c'est la règle. Attends, il y a une bouteille juste ici. Tu grimpes tranquille, voilà. Oh c'est trop bien les bouteilles. Hop là! Tu m'as entendu? Oh, j'ai entendu quelque chose. Mais oh là! Monsieur a des ailes! Mais pas d'œil. Apparemment, Ah, ça y est. C'est rien. Tombe. Voilà, merci. Donc, c'est quoi cette histoire de garde, là? Là-bas? Mais il n'y a aucun fucking rapport. Là, il y en a du bois. Tiens, tac, 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 je te ramène. Le métal, il y en a juste à côté. C'est bon. On s'embête pour rien, je le sens, moi. Et mon garde, il s'en va ou comment ça se passe? Non, faut l'espionner depuis la corde à linge. Qui grince, toi. T'aurais bien besoin d'un bon graissage. M'en parle même pas. J'ai encore dû emmener les enfants à la plage le week-end dernier. Oh, je déteste le sable. Tu m'étonnes. C'est ce qu'il y a de pire. Je ferai bien une petite pause. J'ai vraiment besoin d'une pinte de carburant. Ouais. Allons donc faire un tour à la taverne. On m'a dit que le nouvel alliage des fûts ajoutait un petit goût fruité, pas piqué des verres. Les expressions désuètes. Direction la taverne, Sly. Ok. Direction la taverne, il n'y a pas de problème. Par contre, quel est l'intérêt finalement d'être un robot si tu agis comme un humain? Tu vois, genre, ouais, j'ai emmené les enfants, allons se boire un petit coup. Non, je veux dire, quitte à être un robot, t'as pas ce genre de problème. Ça, c'est triste, quoi, d'avoir encore ce genre de problème alors que t'es déjà devenu un robot. Quoique, ça se trouve, il a été créé, je crois pas qu'il a été transformé. Je sais pas, j'ai peut-être mal capté. Mais en tout cas, c'est triste pour eux, voilà, c'est triste. Alors, on va dans la taverne. Ne vous dérangez pas pour moi, regardez. Hop là. Sly, mes instruments détectent la présence d'un alliage métallique particulièrement résistant. C'est pile ce qu'il nous faut. Oh, ça pue vraiment ici. Ça vient sûrement d'un des gardes, Sly. Ah, je parle pas de ça. Ça sent l'essence. Eh bien, ne t'approche surtout pas des flammes. Et trouve-moi vite ce métal. Oh là là. Dites donc, il est un peu chiffon, notre Bentley, là, il s'énerve.
Semeur de troubles. C'est le nom du bar ou c'est le nom de la mission? Il y a peut-être des masques, hein, mais on va essayer de ne pas trop se stresser avec ça. Je les récupérerai après si jamais j'en rate. Faut se mettre sur la poignée, là, tu vois. Ne pas toucher le sol. The floor is lava. De l'essence et du feu au même endroit. Malin, ça. Ok, mais je vais me faire choper, là, parce que je suis juste à côté d'eux, les gars. Non? Je vais sous la table, l'air de rien. D'accord. Est-ce que finalement, je vais où? Je suis le chemin. Voilà, j'ai cru que j'allais me faire embrocher par je ne sais pas quoi, le mixeur d'essence. Ok, c'est là les... Oh là! C'est rien, maintenant! Mais non! Maintenant! Voilà, ok. Métal! Tu as réussi, Clyde! Et il en faut trois comme ça? Non, c'est juste qu'après il faut du bois et je crois que c'était du cuir. On va dire que c'est ça. En quoi cette petite rondelle va me servir pour faire un costume? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler. D'après moi, enfin, vu qu'on avait vu des cibles et tout ça, qu'on est un petit peu dans le temps Robin des Bois, enfin, je pensais un petit costume Robin des Bois, tu vois, une petite toge verte, peut-être un peu Link, tu vois, un arc, une épée, ouais, vraiment très Link, très Robin des Bois. Mais là, une petite rondelle de métal, je ne sais pas ce qu'elle va... Je ne sais pas. Là, je doute. Oh, je vais m'envoler. Non? Oui! Mais... C'est pas très gentil, ça. Pourquoi dans l'eau? Il y avait un gros crâne de mort à côté, mais... Un peu deg. C'est-à-dire que dans la préhistoire, eux, au moins, ils avaient la décence de m'emmener quelque part d'intéressant. On est pas très bien reçus en Medieval England, hein. J'aime beaucoup l'accent... l'accent français. Alors ça, attends, parce qu'à chaque fois, je galère. Voilà. Et là... Non, mais c'est en plus, c'est limite... Non, c'est pas du tout là-bas. Ça, c'est la planque. Ok. Je me suis un peu trompé de coin, ce n'est rien. Là, tu peux m'emmener avec ça. Vas-y. Ah bah là, on avait un bel accent anglais, pour le coup. Yeah, bitches! Get out of the way, pardon. Get out. Oh, bref, je sais pas. Je connais pas cette chanson, je l'aime pas de toute façon. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Tac. Ah, c'était là, ok. T'es au courant pour Bernard? Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est moche, son réticulateur a été démagnétisé, le pauvre. Oh non, ça doit faire mal. Ouais, moi j'essaie de rester loin du métal. Enfin, sauf le mien, bien sûr. Tu devrais te faire muter à la boulangerie. Il y a que du bois et du pain là-bas. Du bois. Super, Sly. Va dans la boulangerie et récupère du bois. Ils ont une vie triste, ces pauvres robots, hein. Une vie fort triste. Tada. Voilà. J'ai été entendu par quelqu'un, mais ce n'est rien. Ah, tu t'accroches pas là-dessus? Mais fallait prévenir. Prévenir comme avec une petite lumière bleue qui aurait pu me dire « Ok, là-bas, tu peux y aller. Là, il n'y en avait pas, donc tu pouvais pas y aller. » C'est pas grave. Alors, la boulangerie, s'il vous plaît, mon cher monsieur, c'est par où? C'est par là? Hop là, dans le trou noir, la boulange, dans le trou noir. On a combien de bouteilles? On est à 8 sur 30, moi je vous avais dit 10, je crois. Je crois que je vous ai dit ça. Il nous en faut 10. Genre là, il y en a une. Sauf qu'il y a monsieur moche devant, là. Mais tu vas t'accrocher à ça, là. Je sais plus quel nom ça, mais... Hop. C'est vrai qu'on a toujours le delta plane singe. Ça se trouve, on a débloqué autre chose, puisqu'en plus, on a récupéré pas mal de masques. Donc, il est possible qu'on ait de nouvelles choses. 9 sur 30. J'entends mon autre... Oh là. Ah non, reste accroché. Tout va bien. Voilà, j'ai 10, je suis content. Et la boulange est là-bas. Voilà, vous voyez. Vous paniquez pour rien. Tout se passe bien. Hop. Il est même possible... voire même probable qu'on s'obtienne une 11e bouteille bonus. Magnifique. Boulange, s'il vous plaît, boulange. On y est presque à la boulange. Hop là. Je voudrais un pain au chocolat et une chocolatine. Et là, la meuf, elle te dit, mais quoi? C'est la même chose. Oh non, faut pirater la porte de la boulange, quoi. Mais c'est quoi ce bazar?
Oh non, pas celui-là. Je préfère le bodybuilding. Parce qu'à chaque fois, j'oublie ce qu'il faut faire, là. Tac, 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 attention, attention, attention. Eh, n'empêche que... On rigole. Mais on n'a pas encore eu de champomille dans ce slide 2, hein. Tiens, prends ça. Les gigabombes, là. Laisse les gens tranquilles derrière. Et attention au champ... Eh ben voilà, champomille fini. Champomille fini. Mes gigabombes Panzer devraient activer cet interrupteur brièvement. Après, on a perdu une plus petite gouttelette hein, de champomille, là, parce que... Ah bah non, regardez, on est full vie, là. Ça marche pas comme ça, hein. Les gars qui essayent de se rattraper. Ok, c'est bon. The key! Where the... Oh fuck, man, where the key? Ok, I need to go back to take the key. Oh, the key is here. No problem. Je peux me servir de cette clé de données pour désactiver le pare-feu. Ok, bitch. Open. Thank you. Et c'est pas terminé. Ok. C'est pas terminé. Bonjour. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien, finalement. On a pris... Ah, quoique, regardez, mon vaisseau rose, finalement, c'est lui qui a pris la lichette de dégâts. Et... ah bah, j'en ai pris une autre, là. Bon, bah, ok, laissez tomber. Je peux pas me rattraper en disant non, mais on a juste perdu une goutte. Là, on a perdu une gorgée. Oh, non, mais rentre pas dedans. Bon, ah, waouh, avance. J'ai fait une folie là. On va mourir. Non, prends de la vie. Ta 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 ta. Merci. Ok, be careful. Super, des drones mines. Je dois absolument éviter leurs mines. Ah, parce que les drones mines lancent des mines. Non. Non. Bon, je pourrais changer de vaisseau, mais celui-là me plaît bien. Voilà. Je prends de la vie. Ah, mais je peux pas prendre la clé avec ce foutu truc. Mais c'est mal foutu tes vaisseaux, Bentley aussi. C'est mal conçu. Bingo ! Cette clé de données doit correspondre au verrou. C'est bon. Est-ce que c'est... Oh, est-ce que c'est terminé ? Puis-je entrer dans la boulangerie ? No ! The boulangerie is still closed. Oh, voilà. Non, c'est le dernier truc, ça, regarde ça. Tu vises tranquille, pop, tu tournes, c'est l'astuce. Plus ils sont grands, plus ils se font mal en tombant. Ha, je ne commenterai pas, voilà. La porte est ouverte, il est temps d'amarrer le vaisseau. Du coup, c'est bon, voilà, ok. Pour l'instant, les piratages sont quand même tranquilles. J'ai vu quelqu'un dire, alors, je crois... Je crois que c'était sur un vieux truc de piratage, justement. Qu'il y avait un des piratages qui était fort compliqué à cause de la manette ou de je sais pas quoi. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais peut-être qu'on tombera sur un piratage un peu impossible. C'est très étrange. D'après ce que disent mes instruments, cet endroit consomme beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faut normalement pour cuire du pain. Ah, je te confirme. Il y a un labo secret pour les donuts. Peut-être que tu devrais laisser les blagues de côté et essayer de trouver du bois. Ok, mais tu peux faire une croix sur les donuts. Moi, je pense quand même que dans une boulangerie, quand il y a des jets de flammes au milieu de la farine, effectivement, j'ai tendance à croire qu'il y a une surconsommation. Essaye de fermer les portes des fours, Sly. Cet endroit me file la dalle. Bon, c'était pas bien compliqué pour le bois. Mais honnêtement, il y en avait dehors, hein. Je veux pas dénoncer, hein. Je suis... Moi, j'ai pas envie de vous énerver, vous voyez, mais je trouve quand même que vous vous galérez pour rien. Il y avait du bois dehors, il était très bien. Mais bon, que voulez-vous? Je me souviens plus si on a vu le méchant de cette zone, parce que le gris était quand même très sympathique avec son combat patinage. Je me demande d'ailleurs si on va pas avoir un combat, ou du moins une épreuve d'arc à la Robin des Bois. Je vois vraiment ça venir de loin. Oh, il y a le... C'est le coffre là-bas en face. Oui, on le voit sur le radar. Ok, donc c'est complètement à l'opposé. C'est derrière la tour. Oui, c'est derrière la tour, ok. Passons par les toits. Comme ça, les gardes ne me gênent pas trop.
Après, il y a des... Ah bah oui. Tape. Mais pourquoi lui, il est pas mort? Ok, ok, alors le type qui a dit que les gardes me gênent n'est pas sur les toits, vous le trouvez et vous le zigouillez, s'il vous plaît. Voilà. Hop, mission, mission, mission. Non, 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 mission sur corde à linge. Mission sur corde à linge, je répète. Tu comptes aller au pique-nique de la boîte cette année? Je ne sais pas. C'est tous les ans la même chose. J'en ai vraiment ras-le-bol de jouer à ces jeux débiles au cirque. Ouais, mais tu te souviens du concours de tir à l'arc l'an dernier? Le gourou Raymond s'est tiré une flèche dans le pied. Ah 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 ah, trop bon. Ok, ça c'était drôle. Je vais peut-être venir. Ouais. Et je me disais que je devrais peut-être mettre des bottes en cuir pour les flèches perdues, tu vois. Ah, bonne idée. Tu peux peut-être en dégoter une paire chez le cordonnier. Il est temps d'aller rendre une petite visite au cordonnier. Je veux pas dénoncer, mais c'est des robots. Tu te prends une flèche dans le pied, elle va faire ping. Puis c'est tout, hein. Mais bon, que voulez-vous? Moi, je suis pas là pour juger. J'ai envie d'aller là-haut, c'est tout ce que je veux. Comment on fait? Je sais pas. Est-ce que ça vous pose un problème? Ok, j'y arrive pas du tout, c'est pas grave, laisse tomber, va sur le cordonnier. Par contre, bouteille, 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 bouteille ici. Mais bouteille où? Bouteille en bas. Bouteille dans l'eau? Where is bouteille? Where is my bottle, please? Attends, 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 attends. Be careful of the robot. Please? Thank you. Where is the bottle? Where is the fucking bottle? Ouais. Ah, attendez. Mais what the fuck? Non! Why the bottle is on under the sea, là? Hop là! Non, mais je suis pas censé faire ça, c'est pas possible. Ok, on va la laisser tranquille, ça doit être pour plus tard. Ce n'est rien. I need to reboot the cam, because... Because il n'y a plus de place. Ok, I see the boots. Ah, attends, 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 attends. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Voilà. Hello. I need some leather. I think. Bien, Sly. Il y a forcément du cuir là-dedans. Trouve-le. Trouve-le. Il y a en bas ou en haut? Mais peut-être qu'en haut. Il y a le bonheur du masque, et qu'en bas, il y a le malheur de... rien. Bentley, ça ressemble pas vraiment à un artisan du Moyen-Âge. Ouais, même les boutiques de chaussures pour femmes ne sont pas aussi diaboliques. Il se passe un truc bizarre ici. Je confirme, mais pour l'instant, contente-toi de trouver le cuir et de mettre les voiles. Vous voyez, il y a encore un piratage, c'est incroyable, quoi. Incroyable. En fait, tu pouvais passer par les deux côtés, ça changeait pas grand-chose. Enfin, par la corde. Ou par le trou. Je me demande s'il faut pas remonter. Quoique, quoique. Par où je vais pour sauter dessus là? Qu'est-ce que je dois faire? Attendez, on va attendre le truc. Peut-être que je... Ah si, regardez, ça brille là, je peux m'accrocher. Je le vois. Here we go! Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Deuxième tentative. Let's... Mais accroche-toi, nom de Dieu! Mais il m'avait fait le même coup la dernière fois. Il veut pas, il veut pas. Il y a les petites étincelles bleues, mais non. Que dalle. Il ne veut pas. Donc je vais mourir ici, comme un idiot. Regarde bien. Tu vois, ça brille bleu. Tu le vois, tu le vois, tu le vois, tu le vois, tu le vois. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Tu fais attention. Tu fais pas de bêtises. Voilà, tout se passe bien. Et tu atterris tranquillement en face. Voilà, par contre, il y a un garde qui va vouloir te choper. Donc, tu vas ici. Voilà. Il y a des petites bébêtes. Mais ce n'est rien. C'est rien. C'est de la petite bébête. C'est pas la grosse. Non, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et oui. Alors, je dois choper ça, je crois. Tous les méchants adorent les lasers. Le cuir. Bon travail! Et grâce à ces matériaux, je vais pouvoir te fabriquer quelques objets très utiles. Ok. Je veux mon costume de Robin des Bois. Si je n'avais, ce n'est pas ça, moi je quitte le game, je pose tout. Vous finissez le jeu sans moi, les gars. Et j'ai pas de nouvelles. Ok, super. On va quand même checker Voleur Net. Je pensais que j'allais avoir un costume directement, mais apparemment non.
J'ai 1400. Sprinter en chargeant, faire les poches en bougeant. Oh, faire les poches en bougeant. J'aime ça, moi. Sprinter en chargeant, pack suspension infernale. On aime les suspensions. Ah, ça coûte 1000. Bon, il me reste que 200, bon, de toute façon. J'ai pas volé grand-chose, donc c'est normal. Très bien, bah retourne, on y retourne. On y retourne? Je pensais avoir mon costume. Peut-être que c'est maintenant. Croisez les doigts, rien n'est impossible. J'ai pas de costume. J'ai pas de costume. Mais... C'est scandaleux, mesdames et messieurs. Jonglerie. Je veux mon costume. Non, non, mais fous-moi la paix, toi. Je vais sur ma mission, regarde, tu m'as pas vu. Hop là, mission démarrée. Que Richard soit retenu prisonnier à l'intérieur d'une de ces tentes de cirque. Sly, j'ai repéré une petite ouverture au sommet de la toute dernière tente. Mais par contre, je ne sais pas comment tu vas faire pour l'atteindre. Ah, le cirque. J'aurais pu être un grand trapéziste. Oui, et sinon, la tente. Et avec ta carapace, tu aurais pu être le type qu'ils mettent dans le canon à chaque représentation. Ouais, le canon. Bon, tu devrais aller jusqu'à cette tour là-bas. C'est un point de vue idéal et on aura une bonne vue d'ensemble de là-haut. Ok, Sly, monte sur cette tour pour essayer la nouvelle tenue et le nouveau jouet que je t'ai fabriqué avec ces matériaux. Oh, alors tout s'explique, on dirait. Bien sûr. Elle est où la nouvelle tenue? Mais y a pas de... Mais il se moque de moi. Bon, grimpons sur la tour, on verra, il va peut-être me dire au bout de la tour, te dire... Ah ouais, tiens, regarde dans ta poche. Oh, il y a un masque jusque là. Juste là, pardon. Attends. Tu montes. Tranquille. Tranquille, tranquille. Tu laisses tourner. Tu laisses tourner, voilà. Et là, boum, petit masque. Petit masquounet. Voilà, tu es au-dessus, tu lâches tout. Lâche et prise, prends masque, et ressaute sur... Non ! Ressaute sur corde ! Nom de Dieu ! Ah ! On dirait que les gardes ont laissé traîner un paquet de munitions dans les parages. C'est le moment d'utiliser l'arc que je t'ai fabriqué. Alors ? Appuie sur la touche L2 pour enfiler ton costume. Ça y est. Regarde dans ta poche ! Parfait. Oui. Maintenant, prends une des flèches dans le panier. Je prends une flèche. Et appuie sur la touche cercle. Sly, l'arc va tirer une flèche reliée à une corde. Serre-t'en pour créer un passage. Essaie d'atteindre la cible okay. De l'autre côté du trou. Ok, je comprends pour la bouteille de tout à l'heure. C'est pour tendre l'arc. Puis, relâche-la pour tirer. Alors. En plein centre. Magnifique. Voilà, et du coup... Ok. Cet arc a été conçu pour appliquer une résonance vibratoire unique aux flèches. Ce qui les rend beaucoup plus aérodynamiques que les flèches classiques. Oh, regarde. On peut même utiliser le joystick gauche pour diriger les flèches pendant qu'elles volent. Ah oui, c'est des missiles, tes trucs. Un jeu d'enfant d'atteindre les cibles en mouvement. Ok, ok, ok. Bon, ok, on va pouvoir aller sauver Richard. Ça me dérange pas maintenant que j'ai le costume. Waouh, cet endroit paraissait beaucoup plus petit de l'extérieur. Sly, mon scanner indique que le sol est littéralement truffé de détecteurs de mouvement. Ce qui veut dire que tu ne dois surtout pas le toucher. Tu rêvais d'être trapéziste? C'est le moment! Cool. Qu'est-ce que tu penses de mon nom de scène? L'incroyable Copperini. Hein? Hein? Non? Bon. On dirait plutôt le nom d'une mauvaise pizzeria. Et sinon, je pense que Richard est détenu sur cette plateforme. Va jeter un œil. Ok, petit génie. J'y vais. Bah bien sûr, il est détenu au plus haut, dans la plus haute salle de la plus haute tour, c'est connu. C'est connu, c'est toujours comme ça. Alors, il faut être absolument à côté de... d'un truc de flèche pour que ça marche. J'ai l'impression que oui. Ok, ok, ok. Très bien. Et du coup, tu fais... Piou! Alors, je n'ose pas bouger, mais je peux apparemment. Plein dedans. Pas tout à fait, mais bon, c'est pas grave. Je peux bouger la flèche pendant que je tire, mais bon, là... Moi, je suis pas très fan du cirque. J'ai jamais trop apprécié cette ambiance. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'était juste. C'était juste. Ok. Là, tu mets comme ça. Tu fais zoop. Tu fais zoop. Ok. J'ai bougé ma flèche. Bingo. Ah,
Pourquoi j'arrive plus à courir quand je suis sur ma corde là, hein? Je déteste l'odeur des poils roussis. Je sais pas pourquoi. Ah, parce que je suis avec le costume, peut-être. Peut-être que je sois sans le costume. Enlève-le. Ouais, c'est ça. Ok, très bien, merci. Next ici. Non, non, non! Ouf. Ça me rappelle la foire de sombre lune sur WoW aussi. Qui a une ambiance comme ça, un peu bizarre. Ok. C'est quoi ça? Sly, ces trompettes ont l'air fragiles. Fais attention! Elles sont fragiles. Ok, elles vont s'écrouler quand je vais avancer. Mais c'est ultra effrayant, mon bon monsieur. Où suis-je là? Attendez, attendez. Je suis juste plus haut en fait. Oh, il y a un masque en face. Il y a un masque en face. Ok. On va essayer de le choper. Alors, tu prends ça. Tu fais ça. Ah, mais du coup, la cible est mouvante. Elle se move. Mais ce n'est pas un problème. Hop là. Oh, oh, ouais. On peut passer par les. Ok, là en fait, la suite, c'est les trapèzes. Mais moi, je veux ça là-bas. Elle est derrière le tonal. La cible est derrière le tonal. Hop. Ok, tu recommences. Hop. In the middle. Nice try. Oh, my pièce. Sérieusement? Ok, 34 sur 60 des masques, hein. Pas mal. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des nouveaux bonus. Peut-être pour avoir... un muret... muret ultime, par exemple. Voilà, exactement. On va l'activer. Je vais désactiver Bentley parce que j'ai pas envie de le revoir dans sa tenue ultime à chaque fois. Mais muret ultime, il faudra qu'on voit. Exposé. Je voulais faire un exposé. Pour la classe de 4e. La 3e B. Et la... 6e A. Oui, j'avais remarqué. Merci, Bentley. No problem. Ok, tu prends, tu fais ça, tu fais zoop. Voilà. C'est quoi ces boulets de feu là qui viennent? Je sais pas d'où ils viennent. Nickel. Tac, tac, toc. Et là tu fais vouh. Je m'arrête pas. Merci, j'aurais pas deviné tout seul. Mais non, mais qu'est-ce que... Calmez-vous, Sly, s'il vous plaît. Foncez, Sly, foncez. Ça, c'est bien Richard sur cette affiche. Il a pas l'air d'aimer son boulot. Ça, c'est avec le gros truc marqué. Fun. Ok. Oh, c'est bon. Ok. On y est presque, non? C'est là-haut. Mais il y a encore tout ça, là. Il y a encore tout ça à monter, là. La joie est parmi nous, regardez. Costume. Zoop. Non, zoop. Et après, zoop. Voilà. Et là, tu tires. Ok, c'est rien. Au pire, tu fais tac. Voilà. Dans le mille. Et au pire, les boulets de feu ne brûleront pas la corde parce que bah, c'est du feu fireproof. Ah, j'ai voulu faire le perfect, ça ne marche pas. Faut pas s'arrêter. Tu peux pas, t'es pas obligé, Sly. Voilà, avoir la confiance, c'est principal. Ok. Oh, 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 je vous ai vu venir, corde trop longue pour le niveau. Je vous ai vu venir. Accroche-toi, Sly. Des fois, je ne comprends pas. Bah voilà, je suis au bon endroit. Oh, punaise, c'est bon. Ok, tout se passe très bien. J'ai plus beaucoup de vie, mais tout se passe très bien. D'ailleurs, si tu veux me rendre un peu de vie, n'hésite pas. C'est pas grave. Voilà. J'ai failli perdre ma fourrure d'hiver. Costume, interagir, zoop, et après je vais... Ah oui, carrément.
Hop là! Je devrais essayer les yeux bandés. Ok. En haut maintenant, s'il vous plaît. Parfait. Bon, je pense pas qu'il y ait un autre masque, du coup. On s'en fout. Mais vous voyez, on s'est pas stressé pour les masques, on les a trouvés tout seuls. Ils sont venus à moi, mes précieux. Fun. Sir Richard, je m'appelle Sly. Je suis venu vous sauver. Merci, mon brave. Mais je n'ai pas besoin d'aide. En fait, je ne fais qu'attendre jusqu'au... moment propice pour m'échapper. Oui, voilà. Et depuis quand vous attendez? Eh bien, je dirais grosso modo 2 semaines. Je vois. Si vous voulez rester avec les boulets de canon et les arceaux enflammés, allez-y. Moi, je retourne au refuge de mon clan pour établir un plan. Vous n'avez pas tort, sire. Oui, je crois que le moment est venu. Suce à l'ennemi, frappons donc un coup fatal pour éliminer l'ignoble tyran qui m'a mis au fer. Oh, chaque chose en son temps. Commençons par retourner au refuge. Ok, bah c'est bon. On a récupéré Richard qui a pas l'air fun, hein, comme il était sur l'affiche. Mais peut-être qu'il a des sympathiques pouvoirs semi-cosmiques phénoménaux. Quand Richard eut retrouvé son calme, nous retournâmes au refuge où il nous avait tout raconté. La région était sous le joug de fer du redoutable chevalier noir. Personne ne savait d'où il venait, mais sa puissance et sa supériorité technologique étaient impressionnantes. Il avait même créé un nouveau genre de garde robotique qui patrouillait sans relâche et sans pitié. Richard avait été capturé alors qu'il affrontait ses gardes tout seul. Bentley fouilla toutes les bases de données existantes, mais il ne put rien trouver. Tout ce qui en sortait, c'était d'autres questions. Le paradoxe avait-il trouvé un allié dans cette époque? Comment le chevalier noir avait-il construit ces monstres mécaniques? Quand nous expliquâmes à Richard qui nous étions réellement, j'ignore s'il nous crut, mais ça n'avait aucune importance. Tout ce qu'il voulait, c'était courir suce à l'ennemi et rétablir l'honneur des coupeurs. Inutile de préciser qu'il était un peu à cran. En attendant d'avoir un plan plus précis, je sentais qu'il allait falloir maîtriser mon fougueux ancêtre. Bon, ok, il a l'air complètement relou, Richard, on va pas se le cacher. On repart avec Sly, on testera Monsieur Gronchon plus tard. Gronchon. Oui, j'ai bien dit Gronchon. Alors, c'est parti. On va à coup de serpe. Peut-être avoir d'autres informations sur le Black Knight, le Chevalier Noir. Va falloir prendre des photos, je sais pas quoi comme ça. Coup de serpe. Oh, papa. Ouais, non, mais attends, il fait la toupie, là. Dégage. C'est bon. J'entends une bouteille, une taille boue qui est vraiment, voilà, juste ici. Donc, s'il vous plaît, voilà. 14 sur 30, on va faire la moitié en un épisode. La folie. Ne vous dérangez pas, j'ai vu un autre ennemi. Non, il m'a pas vu. C'est bon. Go, mission... Le chevalier noir avec un fond rose. Sly, j'ai découvert que des soldats du chevalier noir transportaient un objet dans une caisse blindée en ville. D'après le niveau de sécurité, je mettrai ma main à couper qu'il s'agit de la serpe. Tu ferais vraiment ça? Et contente-toi d'y aller. Si ce que dit Richard est vrai, le chevalier noir ne quitte pratiquement jamais son château. Et quand il le fait, c'est seulement pour de courtes visites chez le forgeron. C'est peut-être la seule chance que nous aurons de lui reprendre la serpe. Ok, je vais rejoindre la parade. Sly, avant de commencer, prends des photos du chevalier noir et de la caisse. Nous devons d'abord savoir à qui et à quoi nous avons affaire. Je vous l'avais dit. Arrange-toi pour photographier le chevalier noir de face. De face. Je veux étudier son armure de plus près. Je trouve Bentley un petit peu relou en ce moment. Il exige pas mal de choses. Oh god. Alors là, tu vas l'avoir de face. Mais alors, de face. Voilà.
J'ai pas plus fast que ça, hein. Ah, oh, c'est un peu sombre. Quoi ? Dommage que ce truc n'ait pas de flash. Sly, prends une photo de la caisse blindée. Je dois analyser cette serrure. Ok, la caisse, maintenant la caisse. Pouf. Et normalement, on peut voler en mouvement maintenant. Ouais, ça change pas. Oui. Non, c'est bon, regarde, je suis dessus là. J'étais en train de récupérer quelques pièces, tu peux te calmer, hein. Hop là. Je devrais vraiment inventer une espèce de super. Waouh, la voix. Bien joué, Sly. Je peux déjouer ce truc les yeux fermés. Approche-toi vite de la caisse avant qu'ils atteignent les chopes du forgeron et je la piraterai à distance. Maudit. Eh oui, mais tu vois, tu comprends bien quand même qu'il était juste derrière. Fallait peut-être que je supprime le... Bien joué, je con, en fait. Je peux déjouer ce truc les yeux fermés. Approche-toi vite de la caisse avant qu'ils atteignent les chopes du forgeron et je la piraterai à distance. Ok, donc je suis un peu bébête. Enfin, j'ai pas besoin de faire ça. Il suffisait que je zigouille le garde le plus derrière, en fait, hein, forcément. Mais c'est pas grave. Super. Et continue comme ça. Sérieusement? T'étais pas censé m'entendre. Il était pas censé m'entendre, on avait le trou noir qui fait pas de bruit. Oh, par contre, maintenant, tu as un nouveau trésor, toi. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ok, fonce. Il est pas censé m'entendre. Oh mon dieu! Cette maudit costume est trop chaud. T'as pas de costume. T'as juste été transformé. T'as un trésor toi ou pas? Dépêche-toi, non, on s'en fout. Non, c'est pas vrai! J'ai appuyé sur triangle! Je veux un remboursement! Je devrais vraiment inventer une espèce de super déodorant pour le paradoxe. Ok, alors maintenant, ma chère touche triangle. Tu vas fonctionner, n'est-ce pas? Tu vas faire ce que je dis. Regarde, j'approche tranquillement, j'ai fait triangle. Voilà! Ok, Sly. Maintenant, approche à nous deux, petite caisse. J'appuie sur tous les boutons et il se passe quelque chose. Non mais franchement, on dirait les gens qui piratent le Pentagone depuis un ordi de supermarché. Ah, le bodybuilding. Oh, mais attention, on va vers le haut cette fois. Il y a du changement. Passe à gauche, regarde là. Là, il y a la magie à gauche. Non, il y a que dalle en fait. Il y a que dalle. On prend les améliorations, on aime les améliorations. Là, il y a une grosse... Je sais pas ce que c'était. Une grosse bombasse. Oui, c'était une grenade. On passe à droite. Tac. On tue ce qu'il y avait de gauche. Non, tu as été touché, c'est terrible. Mais prends-le. Mais, allô, merci. Là, tu passes à gauche, tu vois. Là, il y a la magie. Non, il y a que dalle. Il y a des faux espoirs. Attention. Droite. Magnifique. Oh là, il y en a plein. Oh là, oh, il y a du bonheur là. Là, trop vite, j'ai pas le temps de tout prendre. Je garde mes bombes pour la fin. Devrait le faire, hein, on est bien là. On s'est fait toucher qu'une fois, je crois. Hein. Donc le champopo laissé tomber, mais bon. Jamais, je crois qu'on en aura pas dans Sly 4. C'est... Non, puni. No champomi. J'ai 3 grenades. Où est le boss? Est-ce que le cœur de je sais pas quoi là? Ok, c'est là. Ah, j'aurais pas dû prendre la grenade parce que... Ton routeur t'a envoyé dans la mauvaise direction. Je l'ai déglingué. Et j'apprécie grandement. Je me suis tapé un chargement d'une demi-heure pour avoir cette petite scène. Alors j'espère que vous en avez profité.
Ah, voilà, 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 voilà. Nous allons pouvoir prendre le chevalier. Je vais le choisir. On va juste voir ce qu'il peut faire vite fait. Et on se laissera pour aujourd'hui. Ok. Moi, je veux une attaque spéciale. Tu viens là, gentiment, et tu fais hop, hop. Boum. Ok, pas mal, pas mal. Auriez-vous autre chose en stock? Lui, il a un trésor, mais on est là pour tuer. Ah, je pouvais charger, ok, ça charge, ça charge, ça charge. Ça charge. Non, laisse-moi, hibou de malheur, chouette aïe. Hibou, chouette, je ne sais pas. Viens. Ok, bon, t'aurais pu être dans la zone, ça m'aurait arrangé, mais c'est pas grave. Je vais crever. C'est bon. Ok, très bien, très bien. Nous avons vu. Nous avons vaincu. Avec un peu de difficulté. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, on se laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et la prochaine fois, bah, on avance. Voilà. Et je pense que ça va bien se passer. Voilà. Moi, je suis confiant. En plus, on sait où sont affichées les bouteilles. On a trouvé du masque. Je veux dire, tout se passe bien. Alors, profitez-en parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Des bisous et volupté sur vous.